On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 15 octobre. Une deuxième infirmière américaine contaminée par le virus Ebola au Texas. Elle aurait pris l'avion dans les jours qui ont précédé le diagnostic. C'est l'affolement aux États-Unis où Barack Obama convoque une réunion d'urgence de l'équipe en charge de lutter contre l'épidémie. Coupe dans les budgets de l'armée, des réglementations et cession des participations de l'État. La France multiplie les annonces au moment de la présentation d'un budget en déficit à Bruxelles. Paris qui risque jusqu'à 4 milliards d'euros d'amende en cas de rejet de ses comptes par la Commission européenne. Et puis la coalition menée par les États-Unis multiplie les frappes sur Kobané. Les djihadistes de l'État islamique contraints de reculer sur le terrain face aux Kurdes. À suivre également dans la prochaine demi-heure d'info, le plan Macron pour l'économie, comment libéraliser les secteurs sur fond de journée noire sur les places financières européennes. Ce sera dans le journal de l'économie. Et puis dans le journal de l'Afrique, on s'intéressera au mouvement de contestation des policiers en Algérie. Ils ont manifesté aujourd'hui devant le siège de la présidence à Alger, a du jamais vu, pour réclamer le doublement de leur salaire. Il est 21h à Paris, bienvenue dans Paris Direct. Il y a bien un nouveau cas d'Ebola aux États-Unis. Une seconde infirmière a été contaminée à l'hôpital de Dallas, là où était soigné le patient libérien décédé depuis de la maladie. Un deuxième cas de transmission qui montre que le personnel soignant n'était sans doute pas préparé à respecter le protocole très strict en matière d'épidémie. C'est dans cet hôpital de Dallas qu'un deuxième soignant a contracté le virus Ebola. Selon l'établissement qui n'a pas voulu dévoiler l'identité du ou de la malade, il s'agirait d'une personne ayant prodigué des soins à Thomas Duncan, un Libérien mort du virus la semaine dernière dans le même hôpital. Un nouveau cas qui inquiète les autorités américaines. À l'hôpital, nous avons une situation impliquant 77 personnes, dont deux ont été testés positifs au virus Ebola. Nous nous préparons à d'autres cas éventuels. C'est une possibilité très réelle. La surveillance se poursuit donc sur les personnes ayant côtoyé ce nouveau malade. Un deuxième cas qui souligne la difficulté des autorités à empêcher la transmission du virus entre malades et personnel soignant. Les agents hospitaliers ont d'ailleurs réclamé davantage de protection et une meilleure formation aux soins. Nina Pham, âgée de 26 ans, première infirmière contaminée après avoir soigné Thomas Duncan, est toujours hospitalisée à Dallas. Elle a été transfusée et se trouve dans un état stable. Sa maison a été décontaminée et son chien placé en quarantaine. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en février, plus de 4400 personnes en sont mortes, essentiellement en Afrique de l'Ouest. Ce qui ne va pas rassurer la population américaine, on a appris que l'infirmière qui vient d'être diagnostiquée positive à l'Ebola avait voyagé par avion ces derniers jours entre l'Ohio et le Texas, ce qui renforce les risques de contamination ailleurs aux États-Unis. Et puis la France, elle annonce de nouvelles mesures. Des contrôles vont être mis en place dans les aéroports pour détecter les voyageurs susceptibles d'être infectés à l'arrivée des vols en provenance des zones touchées par le virus en Afrique de l'Ouest. Avec nous pour en parler, François Braun, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du SAMU, Urgence de France. Faut-il avoir peur que le virus Ebola arrive ici même en France ? Le risque que le virus Ebola arrive en France est assez faible pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent de ces pays directement en France. Et puis, la France vient de décider de mettre un contrôle aux frontières. Mais aussi, s'il devait arriver, notre système est particulièrement entraîné à ce genre de prise en charge et à la prise en charge de patients potentiels. La prise en charge de patients potentiels, dites-vous, pour autant, on a vu des cas de transmission hein, dans des pays européens comme l'Espagne, où là, on vient de le voir aux États-Unis. Comment peut-on prévenir justement ces modes de contamination ? Alors, le choix qui a été fait en France par le ministère de la Santé et la Direction générale de la Santé a été d'identifier bien en amont, dès avant l'été, des filières de prise en charge par des personnels spécialisés. Il y a d'abord la prise en charge du patient avant l'hôpital qui est organisée autour du SAMU Centre 15 avec ses équipes qui sont déjà préparées à des risques émergents nucléaires, biologiques, chimiques et qui ont été
préparer encore mieux à la prise en charge de ce risque Ebola. Et les patients pris en charge systématiquement par ces équipes du SAMU sont dirigés vers des établissements spécialisés dans la prise en charge des infections graves, et des établissements qui sont disposés à travers tout le territoire français. Et dans ces établissements, là aussi, des équipes qui sont sélectionnées, formées, régulièrement entraînées à ce genre de prise en charge. On est donc mieux formé, nous dites-vous, qu'on l'a observé par exemple dans cet hôpital de Dallas aux États-Unis où deux infirmières coup sur coup viennent d'être contaminées. Nous avons en France la chance d'avoir un système de médicalisation avant l'hôpital, c'est ce fameux système SAMU, qui permet de mettre tout de suite un médecin d'abord au téléphone qui va pouvoir identifier très très vite un cas possible ou pas en contact avec l'Institut de veille sanitaire et ensuite envoyer des équipes dont c'est quelque part le métier de prendre en charge à l'extérieur de l'hôpital et dont c'est aussi le métier de prendre en charge ce genre de risque et qui sont équipées pour. François Braun, il y a des précautions particulières à prendre au quotidien ici en France pour la population ? Alors il y a les précautions, je dirais, qui sont habituelles contre toutes les pathologies infectieuses et en particulier la grippe qui risque d'arriver. On parle tous les ans du lavage des mains, des mouchoirs en papier, pas les jeter n'importe où. Je crois que ça c'est un élément, ce qu'on appelle les mesures barrières, qui est très important quelle que soit l'infection. Fortiori, bien sûr, sur Ebola. En ce qui concerne Ebola, et vous l'expliquez bien, les patients ne sont pas « dangereux » entre guillemets pour les autres tant qu'ils n'ont pas de fièvre. Alors, il est évident que pour les gens qui reviennent de ces pays, il faut contrôler régulièrement sa température. Et dès qu'on a de la température, tout de suite appeler le SAMU. Le médecin au téléphone va vous donner des conseils, va vous demander de vous isoler, de ne plus approcher d'autres personnes tant qu'une équipe spécialisée ne sera pas chez vous. Merci François Braun d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Et on l'apprend à l'instant. D'après la Maison-Blanche, Barack Obama s'est entretenu lors d'une conférence téléphonique avec ses homologues européens, François Hollande et semble-t-il également Angela Merkel. Il a demandé apparemment de mettre en place des mesures pour éviter donc la propagation de l'épidémie d'Ebola, présentée comme la plus importante urgence de santé publique de ces dernières années, nous dit-on. Le gouvernement français, lui, entend par ailleurs, et ça dans un tout autre domaine, permettre au commerce d'ouvrir plus souvent en soirée ainsi que le dimanche, réduire les délais ainsi que le recours au prud'homme ou encore simplifier les conditions d'installation des pharmaciens et des professionnels du droit. Autant de mesures prévues dans le futur projet de loi pour l'activité et l'égalité des chances économiques. Le ministre Emmanuel Macron en a présenté aujourd'hui les grandes lignes. Autre annonce au passage, l'État entend céder entre 5 et 10 milliards d'euros de participation dans la prochaine année et demie, une somme qu'il compte réinvestir dans les secteurs prioritaires, mais aussi affecté au désendettement qui vient d'atteindre 2000 milliards d'euros. Ça, c'est l'endettement public. Voilà. Et puis le bruit courait déjà depuis un moment. Le ministre français de la Défense l'a confirmé aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian annonce des restructurations dans l'armée française. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, ce sont au total 7500 postes qui devraient être supprimés d'ici 2015. Tout de suite, le détail de ces mesures. Du Val-de-Grâce, il y a ceux comme Jacques Chirac qui sortaient par la grande porte devant les caméras. Je commençais à avoir hâte de sortir. Ça, c'est un fait. Je commençais à trouver le temps long, surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. Et puis, il y eut tous les autres, plus discrets, comme le président algérien Abdelaziz Bouteflika et combien encore de dignitaires étrangers pour lesquels tout séjour à Paris comportait obligatoirement un petit détour par le boulevard du Port-Royal. Mais l'hôpital du Val-de-Grâce a vieilli. Le rénover aurait coûté des centaines de millions d'euros, trop cher pour Jean-Yves Le Drian. J'ai décidé de faire en sorte que le Val-de-Grâce devienne demain à la fois le lieu de la formation pour la médecine militaire, mais aussi le lieu de la recherche militaire qui est en France très en pointe. Pour tenir son budget, le ministère de la Défense doit se serrer la ceinture. 7500 emplois en moins en 2015. La ville la plus durement touchée, Châlons-en-Champagne, qui perd tous ses soldats. Près d'un millier d'hommes et de femmes. L'essentiel, dit-on dans les états-majors, est de préserver les forces qui assurent la sécurité du territoire français et celles que l'on peut envoyer se battre à l'étranger. Ils sont plus de 8000 actuellement en opération extérieure, de l'Afghanistan au pays du Sahel, en passant par le Golfe Persique et la République centrafricaine. La coalition menée par les États-Unis poursuit elle ses raids aériens dans le nord de la Syrie. Elle les a même intensifiés. 18 frappes sur la ville de Kobané ces dernières 48 heures.
de quoi ralentir les djihadistes de l'État islamique. Les Kurdes, toujours assiégés, ont même réussi à reprendre un peu de terrain. On fait le point avec notre correspondante, juste de l'autre côté de la frontière, côté à Urfa, en Turquie, Marine Olivesi. Les combattants turcs ont repris un peu de terrain et sont parvenus à chasser les djihadistes dans quelques quartiers de la ville, notamment dans le quartier ouest. On peut voir de l'autre côté de la frontière cette colline stratégique à l'ouest de la ville sur laquelle la milice kurde est parvenue à hisser son propre drapeau. C'est une colline sur laquelle le drapeau noir des djihadistes flottait depuis quelques jours maintenant. Même topo au nord de la ville avec un quartier stratégique parce que situé tout près du poste de frontière entre la Turquie et la Syrie, qui a été le quartier où les combattants kurdes sont parvenus à repousser les djihadistes qui, depuis des jours maintenant, lançaient de l'artillerie lourde et faisaient régulièrement parvenir des voitures piégées pour essayer de détruire les défenses kurdes. Donc dans ces deux quartiers du moins, à l'ouest et au nord, les Kurdes ont renforcé leur position. Alors clairement, les frappes aériennes très intenses ces trois derniers jours font la différence sur le terrain, avec à peu près en moyenne une dizaine de frappes par jour, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait pu observer dans les 10 premiers jours de cette campagne aérienne. Mais selon un combattant kurde avec lequel j'ai pu discuter cet après-midi par téléphone, ces contre-offensives sont toujours très compliquées à lancer, tout simplement parce que les combattants kurdes voient leur stock de munitions se réduire de jour en jour et ils ne veulent pas prendre le risque d'utiliser toutes les munitions dans plusieurs batailles à la fois. Donc ils préfèrent rue par rue, quartier par quartier, repousser les djihadistes, consolider leur terrain, consolider leur position avant de ensuite repasser à l'offensive. Intervention musclée hier de la police à Hong Kong, alors que les manifestants occupent toujours le centre-ville. Près d'une cinquantaine d'entre eux ont été interpellés, d'autres victimes de brutalité. Ces heurts sont les plus violents depuis le début du mouvement, il y a 3 semaines. Massés devant les quartiers généraux de la police de Hong Kong, des centaines de manifestants sont venus réclamer justice après les violences policières qui ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Ces images d'une chaîne locale ont déchaîné la critique. Un manifestant est emmené à l'écart de la foule, escorté par 6 policiers, puis il est jeté au sol et roué de coups par les forces de l'ordre. Le passage à tabac aurait duré 4 minutes. L'homme s'appelle Ken Tsang, il est membre du Parti civique, l'un des mouvements pro-démocratie de Hong Kong. Il a surtout été blessé au cou et aux épaules. Des citoyens hongkongais l'ont déjà vu. Il a des hématomes et aussi des marques dans le dos et sur le torse. Les policiers ont été identifiés et assignés à un poste différent. La police de Hong Kong affirme qu'une enquête va être ouverte. La police va se charger de la plainte de façon juste et impartiale, en respectant la procédure. Les résultats de l'enquête seront soumis au Conseil indépendant de la police pour un examen approfondi. Dans les rangs des manifestants, c'est l'incompréhension. Aspergés de gaz lacrymogène et de gaz au poivre, brutalisés par les forces de l'ordre, ils disent avoir perdu toute confiance en la police. Ce que la police aurait dû faire, c'est escorter le manifestant jusqu'à la voiture de police. Pas l'amener au loin, le frapper à coups de poing et de pied pendant 4 minutes. Amnesty International a également condamné l'attaque des policiers hongkongais. Cette semaine, les forces de l'ordre ont intensifié leurs opérations afin de démanteler les barrages érigés par les militants depuis fin septembre. Il est 21h13 à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Une deuxième infirmière américaine contaminée par le virus Ebola au Texas. Elle aurait pris l'avion dans les jours qui ont précédé le diagnostic.